Salut chers camarades, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te parler tout simplement de ce qu'on va parler sur cette chaîne, parce que j'ai fait un petit historique de ma chaîne YouTube et j'ai remarqué que j'avais pas encore vraiment expliqué de quoi on allait parler. Après, je pense que tu as pu le deviner un petit peu avec mes vidéos précédentes, mais je préfère faire une vidéo qui est dédiée à ça pour pouvoir t'expliquer. Je fais également aussi cette vidéo pour les nouveaux visiteurs qui arrivent sur ma chaîne. Déjà, je voulais te souhaiter bienvenue à toi, cher nouveau visiteur sur cette chaîne. Alors, sur cette chaîne, on va parler principalement de trois sujets. Le premier sujet, ça va être le sport, mais plus précisément la musculation et le strongman. Ça fait environ 6 ans et demi que je fais de la musculation. Et dans les prochaines semaines, j'aimerais mieux me concentrer plus sur le strongman. Mais je vais quand même toujours garder un programme de musculation. Je vais faire un mix des deux. Je vais te faire des vidéos d'entraînement, quel type d'entraînement je fais. Je vais quand même ajouter une petite précision parce que au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en temps de pandémie. Donc pour l'instant, je vais devoir un petit peu m'adapter, mais je te prévois dans les vidéos futures un petit entraînement home workout, un entraînement à la maison pour que tu puisses t'en inspirer et faire ton propre programme d'entraînement. Mais une fois que les salles vont réouvrir, là, je vais vraiment pouvoir te partager des vrais programmes d'entraînement avec du matos complet, quoi. Parce que quand tu t'entraînes chez toi, ça craint. T'sais, par exemple, moi ici, j'ai juste deux petites haltères de merde. T'as pas accès à des racks à squat, à des presses, à des même du matos de strongman, comme une log, un yoke et tout ça. Donc, pour l'instant, je m'adapte. Le deuxième point, ça va ensemble avec la musculation et le strongman, ça va être forcément la diète. Donc en ce qui concerne la diète et l'alimentation, je vais te parler de mes différents plats que je peux manger dans la journée, la quantité, les protéines, les glucides, les lipides, tout ce genre de choses. Et je vais aussi te montrer comment j'adapte ma diète en fonction d'un objectif en particulier. Et toujours dans le même domaine, je vais aussi te partager des compléments alimentaires que j'utilise. Et le troisième point, ça va être sur le catch, parce que je suis catcheur, et dans cette série de vidéos, je vais te parler de mes expériences dans le catch. Je vais t'expliquer aussi qu'est-ce que c'est le catch, parce que malheureusement, le catch, c'est un sport qui est assez peu connu, et c'est un sport qui est pas mal critiqué. Et c'est pour ça que j'aimerais te parler du catch, parce que j'aimerais un petit peu changer la mauvaise image que le catch a. Et aussi à propos du catch, on va aussi analyser des vidéos de catch que tu peux voir à la télé. Et moi, je vais te faire un petit peu mon retour d'expérience sur ces matchs-là. Ah, j'adore le café. Donc voilà, je te faisais juste une vidéo assez courte, mais c'était juste tout simplement pour t'expliquer de quoi on allait parler sur cette chaîne. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es un nouveau visiteur et que ce genre de sujet va t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner juste en bas à droite, par là, de la vidéo. Je vais te tourner au minimum une vidéo par semaine, parfois deux. Ça va dépendre de mon emploi du temps parce que j'ai un travail sur le côté. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !